Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Lego, Lego Fortnite plutôt, pour une nouvelle vidéo qui était alors pas prévue comme ça initialement, hein, pour rappel, puisque j'avais prévu de vous faire en fait un seul épisode avec le précédent et celui-ci, en tout cas au moment où j'étais en train de tourner. Et puis finalement, je me suis rendu compte que l'épisode allait être vraiment trop long, donc j'ai décidé de le couper en deux à la suite du tournage. Hein, c'est pour ça que vous allez voir, hein, même quand je parle ou quoi, il se peut que par moment je fasse référence à l'épisode précédent. Comme si c'était le même, mais voilà, hormis ça, ça ne change pas grand-chose. Allez, bah, je vous laisse donc avec les images et bah, j'espère que l'épisode vous plaira. Ok, bon, la plupart des ressources sont en train de fondre, j'ai rangé tout ce qu'il fallait, et là j'ai pris de quoi faire un autre réacteur. D'ailleurs, je suis en mode, est-ce que je rajoute un seul ou est-ce que j'en mets deux de plus? Bon, je vais en mettre qu'un seul. Franchement, je suis quand même assez satisfait de la vitesse. Je pense qu'il faut pas aller trop vite non plus, je sais même pas si ça va vraiment augmenter en fait la vitesse. Bon, le problème c'est que je peux pas vraiment le centrer. Bon, il est à peu près centré. Ah, quoique si, il est centré en fait. Ah oui, ça fausse le petit truc en bas, mais en fait, si, il est centré, c'est bon. Est-ce que je décolle pour tester? Allez. Allez, on va quand même regarder vite fait. Oula, 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 oula. Doucement. Voilà. Allez, bah, on peut déjà activer. Hein. Ah, c'est dommage, je m'étais super bien. Je m'étais super bien garé là. J'avoue que c'est un peu triste. Alors, on va y voir. Ah, j'avoue que la propulsion au début. Si, si, je vais plus vite. Hein. Ah, si, si, j'ai l'impression que je vais vraiment plus vite par contre. Hein. Regardez la vitesse. Non, mais en vrai, c'est pas mal. Hein. Après, il faut pas plus, vraiment, je vous dis. Parce que si on va vraiment trop vite, le problème, c'est que pour s'arrêter, ça va être vraiment la galère. Et là, pareil, hein, pour tourner, j'ai peur que ce soit plus compliqué encore. Hein. Par contre, je reconnais que pour aller loin, ça va être plutôt agréable. Hein. Oh, remarque, ça tourne. Ça tourne vachement bien. Hein. Mais attendez, c'est juste parfait, c'est trop bien. C'est juste trop bien en fait. Franchement, non, franchement, ça va vraiment plus vite. J'avais peur qu'on voit pas une grosse différence ou quoi, mais si, si, ça va vraiment plus vite, y a pas de doute. Là, je vous dis, si j'en mets un quatrième, le problème. Attendez, on est à peu près droit là. Un petit chouïa peut-être. C'est pas trop mal je pense. Ouais, le problème c'est que si j'en mets un autre, on va vraiment aller trop vite. Alors c'est trop bien, hein, pour aller jusqu'au désert qui est loin, bah j'y arriverai très vite. Le problème, c'est que quand je serai dans le désert, si justement je vais aller un peu tranquillement pour voir s'il y a une grotte en dessous de moi ou quoi, j'aurai même pas le temps de voir que j'aurais déjà passé la zone quoi. C'est... Oups là! Ça va super. Et j'allais dire en plus si je veux m'arrêter, bah c'est un peu la loose quoi parce que... Je sais ce que je vais faire, j'ai encore mon lit là-haut. Je me suicide en fait. Comment je me suicide? Est-ce que mon stuff, je vais pas le déposer avant, que ce soit moins risqué. Normalement, je peux le récup après, mais... Hein. Normalement, on peut le récup. Mais au cas où, au moins, cette partie-là du stuff, je la sécure, ok? On connaît les petits bugs et tout, j'ai pas envie de perdre ça, ok? Voilà, je vais au moins sécuriser tout ça, le reste, c'est moins grave. Bon, je vais me suicider. Normalement, je vais pouvoir respawn sur le véhicule là-haut. Oh là là. Mais ouais, non, en plus. Maintenant, j'ai. Prochain objectif, ça va être le biome. Comment ça s'appelle? Le biome neige qui est à côté de chez moi. Donc, en soi. J'ai pas besoin d'aller super vite en fait, parce que je vais y arriver de toute façon très rapidement. Par contre, j'avoue que pour le désert, ça aurait été cool que j'ai déjà le troisième réacteur, enfin, propulseur. Parce que. Vraiment, ça va réellement plus vite, hein. Bon, comment je peux me suicider au plus vite par contre? Alors, c'était intelligent de ma part de vouloir me suicider pour respawn ici, mais j'avais oublié un léger détail. Hein. J'ai pas de bois du coup. Bah, peut-être que je laisse du bois là-haut. Hein. Bah, comment je fais pour atterrir? Je vais être obligé de faire un escalier jusqu'à mon véhicule là, tu vas me dire? On va le mettre à peu près au-dessus hein, déjà. Ouais, je pensais pas mal. Hein. Mais je vais avoir un problème infini là. Je me rends compte. Oh les problèmes. Oh les problèmes. Parce que du coup, là je vais sauter, je vais mourir. Je vais respawn sur le lit là-haut. Ah, je suis dans un cycle sans fin là en fait. Je peux pas tourner, je peux rien faire. Donc, soit j'essaie de casser le lit, mais c'est au risque de toucher un ballon ou un truc comme ça. Parce que les trucs au milieu comme ça, franchement, la hitbox c'est pas fou. Soit faut que j'arrive à me mettre sur une hauteur sans mourir, enfin une hauteur ouais, pour pouvoir sauter sans mourir.
Mais. Oh là là, c'était trop beau pour être vrai cet épisode. Et pas cette galère. Mais le problème, c'est que je peux pas tourner, quoi. Soit je casse un truc pour avoir du bois, mais bon, là, c'est ridicule. Là, c'est risqué de ouf. C'est trop risqué. Je meurs hein, si je tombe de là, hein, on est d'accord. Ouais, bah ouais, en plus, j'ai même pas tous mes PV, donc. Aïe, aïe, aïe. Ah, la situation. J'aurais dû monter avec des escaliers. Hein. Tout ça parce que je suis tombé, parce que. Bah, sans raison, en fait. Peut-être le véhicule est trop rapide. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, la tristesse. Si je casse ce lit, je respawn où? Ah, je vais forcément casser autre chose. Ah là là. En vrai, comment je m'oriente au mieux? Peut-être comme ça. Là, j'ai peur de toucher le ballon, en fait. Le problème, c'est que la hitbox du jeu, je vous jure, là je pourrais toucher le levier qui est derrière moi, je pourrais toucher le ballon qui est devant. C'est du one shot. Bon, moi je vais atterrir à la fin, hein, mais. Ok. Adieu le lit. Faudra que j'y remette. Du coup, là normalement, je suis censé respawn. Alors, j'espère pas loin de la base, parce que si je me tape un respawn random. J'espère soit au lit de la base, mais je pense pas. Oh. Soit à la base directe. Oh bah ça me va par contre. Ok. Bon. Bah écoutez. Le véhicule est là-haut. Faudra que je fasse un long escalier pour aller le chercher. Je le ferai pas aujourd'hui, hein. Comme je vous le disais, la neige est pas très loin. Je pourrais y aller à pied s'il faut. Bon, je récupère mon stuff vite fait. J'en avais mis un peu partout. Et on fait la suite. Bon allez, on est pas trop mal, donc je vais pouvoir récupérer. Là, j'avais fait fondre un petit peu partout, regardez. Normalement, je vais avoir, je pense, à peu près ce qu'il faut. Là, j'avais mis aussi, là, c'est bon. Hop, là, j'ai mis toutes les nouvelles ressources là qui passaient pas ailleurs, là, toutes celles des grottes, en fait. Hein. Donc, je vais avoir besoin de ça. Ça, il m'en faudra en brut aussi. Ça, comme ça. Je pense que déjà, j'ai une bonne base pour crafter ce qui m'intéresse. Alors. Qu'est-ce qui m'intéresse justement? Ici, j'ai besoin de rien, j'ai déjà tous les derniers outils actuels. Ok. Ici, je veux faire une épée longue, bien évidemment. Bien évidemment. Ok. Le bouclier, sincèrement, il m'intéresse pas. Je ressens pas l'intérêt actuellement. Non, je vois pas l'utilité. Alors par contre, au niveau des amulettes, il va falloir réfléchir. Alors réfléchir bien que. Fil de laine, noyau explosif. Ah, j'avoue que j'ai eu plus de noyaux que nécessaire, donc. Ouais, mais je comptais en faire qu'une de celles-là, quand même. Parce que je pense que je vais pouvoir résister. Si c'est comme le feu. Enfin, si c'est comme le désert. Donc, il me faut des fils de laine, quand même. Si c'est comme le désert, avec une seule, je devrais pouvoir résister. Hop. Quand même, regarder le skin. Oh! Attendez, c'est moi ou elle est plus longue? Pas du tout. Pas du tout, mais elle est plus sympa. Ok. Ouais, non, si c'est comme le désert, je me dis qu'avec une seule amulette, je devrais tenir dans la neige. Par contre, dans les grottes. Il m'en faudrait sûrement 3. Mais je trouve pas ça rentable en fait d'augmenter de 2. Vous voyez, d'en avoir 3 au lieu d'une pour tenir dans la grotte. Je pense que je ferai tant pis des trucs à manger pour tenir dans les grottes de neige. Et si je peux tenir avec une seule amulette, franchement, moi ça me suffit. Donc je vais faire une seule amulette comme ça. Donc cette amulette, pour rappel, elle permet de résister aux températures basses justement. Donc c'est pour préparer la neige. Ok. Donc ça, je crafte. Ensuite. Ensuite. Alors par contre, elle a 4 et 7. Mon stuff actuel, c'est 3 et 5. Donc, ah justement, on a ramené des choses. Donc là, on va pouvoir penser. Alors celle-là, j'avais dit que vraiment, ça m'intéressait, régénère des cœurs sur la durée. En plus, j'ai perdu de la vie là, puisque je suis mort et tout ça. Donc je vais pouvoir tester. Donc il me faut écailles de brute et ambre brute. C'est pour ça que j'en ai repris aussi au cas où, même si j'en avais. Et écailles de brute. Alors je vais mettre là-dedans le stuff que je devrais ranger après au pire, comme ça, voilà. Ok. Et donc là, on a dit celle-ci. On va voir si le soin est rapide ou pas. Bon, je pense pas que ça va être incroyable, mais on verra. Comment je peux faire là? Au pire, la laine. Donc à la place de celle-là, hein, puisqu'on n'a plus besoin, on va mettre celle-ci. Voilà. Là, on passe quand même à 7 d'armure et 4 de vie au lieu de 3 et 5.
Ok. Et la régène, elle est où? Ouais, si, ok, ça régène un peu. Franchement, je me ferais bien une deuxième comme ça, même, hein, mais il faudrait que j'aille chasser des brutes. Parce que c'est tout ce qui manque, hein. Ouais, franchement, je pense que je vais faire ça. Hein. Je pense que c'est voir ça. Je pense vraiment 100% je fais ça. Regardez, tout ce qui manque, c'est quoi? C'est aller farmer des écailles de brutes? Franchement, il m'en manque deux. Les écailles de brutes, je pense qu'à mon niveau, je les ouvre tranquillement. En plus, j'ai pas mal de dynamite hein, que j'ai ramené de cette XP. J'en ai ramené une vingtaine, je crois. Je peux le tenter à la dynamite. On va peut-être se faire ça après même. Ok, donc on verra plus tard. Je continue le stuff. Je continue le stuff, donc j'ai dit. Donc le froid, on en a plus besoin. On va mettre l'amulette de feu intérieur. Et déjà là, 19 d'armure. Non, là, je commence à être stuff. Hein. Ça commence à parler. Ok. Donc, ici, il me reste plus qu'une amulette à faire quand j'aurai été chasser les golems. Très bien. Là, ah, c'est vrai qu'il y avait le grappin que je voulais faire aussi. 10 cordes. 10 cordes, on va tenter le grappin. 10 cordes. Hop. T'as vu? Tout est préparé normalement. Si ça, c'est pas propre. Ok, le grappin. Fabriqué. Ok, le grappin, voyons voir. Ok, j'aime pas du tout ce que je vois là. Tu vas me dire qu'au prix du grappin, il n'y a que 10 utilisations là? Alors, est-ce que je peux grab de vraiment loin? On peut monter, voyons voir. Et ouais, il est cool. Non, franchement, il est cool, il a l'air d'avoir une bonne distance. Tu vas me dire, je peux pas le recharger? Attends, 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 attends. Attends, attends. Est-ce qu'avec le glitch, là, ça passe? Parce que là, vraiment, c'est même plus que du glitch. À ce niveau-là, ça s'appelle de la survie. Parce que c'est impossible de faire sans, vraiment. C'est n'importe quoi. Attendez, juste un truc, là. Ah oui, non, c'était le four, donc ça, c'était fait. Ok. Ouais, bon, je l'ai là-dedans, au pire. Je m'embête pas. Voyons voir. Hein. Là, je suis à 9 utilisations. Bah, ah oui, bah, ça, c'est intelligent. Je le casse avant de mettre le truc dedans. Épée. Ok. J'ai pas mis le grappin dedans. Qu'il casse, il est où? Il y a un léger détail. Allez, dis-moi que ça revient. Oh, ça revient à 10! Ok, le grappin, il vient. Ok, le grappin devient bien, là. Non, mais attendez, c'est trop bien. Attends, 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 attends. Parce que là, aïe! Oui, bon, forcément. Mais là. Mais c'est trop bien! Attends, attends, attends. Est-ce que je peux monter là-haut? Je peux pas l'utiliser pendant que je suis. Ah non, j'y arrive pas. Dommage. Dommage, dommage. Bon, alors, le seul problème, c'est qu'on va effectivement devoir très régulièrement faire cette petite technique. Je peux pas non plus l'utiliser à outrance parce que un peu chiant, mais par contre, bah du coup, c'est trop bien. C'est vraiment top. Ok, donc ce grappin, je dis pas non. Ah bah tiens, l'épée, j'aurais pu la tester. Il y avait des ennemis dehors, là, pour l'instant. Testons ça. Bon, par contre, l'amulette de régène, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, avec une deuxième... Une deuxième, ça le fait, hein. Avec une deuxième, ça le fait totalement, hein. Voyons voir les dégâts. Oh là là. Ah ouais, je les découpe ici, hein. Je les découpe. Ça commence à être vraiment agréable, là, le jeu. On commence à sentir la montée en puissance. Ok. Ok, ok. Il y a encore du stuff à faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais plus. Je continue, hein. Je regarde les onglets. Regarde les onglets, je vais vite voir. Bon, en fait, là, il n'y a plus rien. Donc, la dynamite avec les poudres explos, mais je vais pas en refaire. J'en ai suffisamment pour ce que je veux faire. Alors, bah, écoutez, si j'ai fini les crafts qui m'intéressaient, si j'ai fini ces crafts-là, on va passer à autre chose. On va parler plantation, un petit peu. Et ensuite, on va dans la neige. Non, plantation, ensuite, on fait le golem, et ensuite, dans la neige. Alors, plantation... Après, ça, je peux me le faire de mon côté, mais... Mais voilà, c'est où déjà qu'on fait les... Ah, c'est là. Donc là, il me faut de l'engrais et de la terre, ok. On va parler un petit peu de ça. Donc, comment je fais... Attendez, je vais me faire un... Je vais me vider là parce que ça, c'est quand même fait pour... Hop. Hop. Vous voyez que j'ai encore un petit peu de rabbin quand même en termes de ressources. Je vous dis que j'ai vu un peu large, comme d'hab. Je préfère avoir toujours un peu en plus, au cas où. On aime bien. Ça, je sais pas où je vais le mettre pour l'instant. On va le mettre là, l'ambre là-bas. Bon, désolé, hein, petite phase rangement. Du coup, j'ai dit.
Ouais, j'ai dit la terre. En contrepartie, ça va parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour la suite. Ok, et des graines. Ah, mais j'en ai peut-être pas. J'en ai pas? Ah, ça c'est dommage. Bon, j'ai du blé ici, mais j'ai pas des graines. Un peu de farine. Bon. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Bah voilà, là il y a du blé ici. Ouvrir la parcelle. Bon, là il y a des graines de blé, au pire. Voilà. Mais en gros, l'idée c'est quoi? Ce serait de se faire une petite parcelle justement de farm quelque part. Alors peut-être proche de ma base ici, ce serait pas plus bête. Là on se fait un petit truc à côté, vous voyez? Alors bon, faudra que je refarme un peu de bois et tout, que je fasse ça propre. Mais dans l'idée, on pourrait se faire un petit quelque chose qui ressemblerait à. Ouais, petite clôture comme ça, à la limite, hein. Regardez. Moi, je suis assez chaud de faire un truc comme ça. Il ressemble à quoi, là? Tac. Et en vrai, c'est quoi, c'est des planches? Bon, faudra que j'en refasse un peu. Quoique, je les avais toujours sur moi. Ah si, c'est pour le coffre, quand même. Alors, je sais pas trop la taille, là. Ça se met pas bien, en plus. Ça se met pas bien. Bah, sinon, je l'arrête là, hein. Là, c'est déjà... Ouais, c'est déjà une bonne... Ah, mais elles sont à l'envers. C'est étonnant, tiens. C'est étonnant. Ça fait du bien aussi d'être sur une phase un peu chill, hein, de construction et tout, parce qu'on est toujours en XP. Alors, pardon. Ça, c'est comme ça que je te veux. Comme ça. Ok. Y a des trucs qui font angle, en fait, maintenant que j'y pense. Pas super beau, hein. En fait, je suis pas à niveau, donc... mais bon. On y est à peu près, allez. On va pas chipoter. Pas chipoter. Tac, voyez l'idée. Ok, et là. Et là, et là. Comment je fais l'entrée? Qu'est-ce que je fais à l'entrée? Presque bien comme ça, hein. Pas besoin d'entrée, en fait, là. Si je fais un truc comme ça, bon, je le fais un peu à la va-vite, hein, mais j'aurais pu faire un plus long direct en fait. Hein. Ok, mais c'est vrai que c'est plaisant. Une fois qu'on a les ressources, qu'on n'a plus qu'à crafter des trucs là. Bon, à voir. Hein. Admettons, là, je fais ma petite parcelle comme ça, d'accord? Pourquoi ils me suivent tous là? Il veut me donner des trucs lui ou quoi là? Non mais en fait j'ai pas la place, non mais me donne pas maintenant. On verra plus tard. Lâchez-moi. Lâchez-moi les gars. Là on part. Par exemple de là. Hop. Après je fais ça mais je pourrais jamais la remplir la parcelle pour l'instant. J'aurais pas assez quand même. Tac tac. Ok c'est à peu près bon. Ok donc là on est pas mal. Faut que je vois l'espacement que je laisse. Ce serait bien de pouvoir passer quand même au milieu, histoire de. Le côté esthétique. Mais après, si je tombe pas pile, en fait, ça va pas être très agréable. Ou à moins que je les colle ici, et après j'en mets une autre là-bas. Bon, on verra. Ouais. Il est un peu trop espacé quand même. Pas grave. De toute façon, en vrai, c'est plus pour l'esthétique parce que je vais peut-être pas tant l'utiliser non plus. Je vais pas tout utiliser à mon avis. Parce que là, dans l'idée, bah voilà, c'est quoi? C'est de mettre les graines, bien sûr. Donc forcément, bah là. Notamment le blé, ce serait cool de le planter là. Par exemple, on va récupérer des graines de blé ici. Alors après, on peut creuser avec les pelles, hein, justement, pour essayer d'avoir des graines qui nous intéressent et tout ça. Ouais, je vais être obligé de tout diviser en un et tout. Bon, je vais pas vous embêter avec ça. En faire 2-3, mais je vais pas en faire plus. Ok. Je ferai la suite plus tard. Ça dépend, à moins qu'elle reste ou pas. Ah, elle est peut-être utilisée direct, donc en fait, je peux peut-être me permettre juste de faire tac. Tac. Ouais, c'est bon en fait, ok. Ah, c'est quand même plus rapide, hein. Il y a la limite de faire tout ça de blé. À côté, on pourrait peut-être planter du piment et puis voilà. Allez, je vais planter mes petits piments, comme ça, on se fait la petite phase.
J'avais pas vu que l'espacement il était pas du tout bon ici. Oh, oh là là, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, ça coûte pas cher, ça, c'est des ressources faciles à avoir hein, pour le changer, c'est pas un souci. Voilà, je voulais le faire assez vite pour montrer un petit peu le délire. Mais c'est pas un souci. Et en gros, pourquoi j'ai fait ça? Parce que on va essayer de faire un granulateur. Alors, il me faut des tiges. Tiges T2, carapace T2 et bloc de granit. Bloc de granit, c'est ça. Hop, tige T2, c'est ça. Et carapace T2 doivent être ici. Efficacité d'un rangement. On va faire le petit granulateur. Peut-être à l'entrée, ça pourrait être RP. Je sais pas s'il faut un toit quand même dessus ou pas. Au pire. Puis on verra. Et donc ici, regardez. En fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en gros, si jamais vous plantez, alors je vais dire une bêtise, mais du blé, par exemple, ce que j'ai fait là, vous récupérez votre blé. Vous voyez, une fois qu'il a poussé, donc vous en récupérez un par graine. Mais en fait, avec ce 1 que vous avez récupéré, vous allez pouvoir le transformer ici pour avoir 3 grains de blé. Vous allez pouvoir replanter. D'accord? Donc vous pouvez d'un seul en produire 3, et ainsi de suite. Et ensuite, bah, du coup, je pense vous ramassez, bah, pour rester cohérent, vous ramassez les 2 tiers de votre production pour vous, et le 1 tiers pour replanter, ça suffit normalement. Vous retransformez en graines. Donc voilà un petit peu l'idée. Et ensuite, on peut également faire, regardez, de la farine. Farine avec justement, ah, en plus avec les grains de blé. Donc ça, c'est rentable. Ça, c'est rentable. Parce que ça veut dire qu'avec un de blé, on transforme en 3 grains. Et avec ces 3 grains, on peut faire donc 3 de farine. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que cette farine, alors j'en avais déjà trouvé, mais cette farine, elle va nous être utile, regardez, ici. On va pouvoir, avec les piments que j'ai également plantés, donc je vais pouvoir les utiliser, la farine, donc c'est juste du blé qui est planté aussi, de la viande, bon ça par contre on peut pas trop l'automatiser, il va falloir la farmer, et bien on va pouvoir faire des burgers épicés. Et ces burgers épicés, c'est ce qui permet de tenir pendant 10 minutes dans le froid justement. Et 10 de nourriture en plus, c'est pas non plus négligeable. Donc c'est top. Parce que sinon on pouvait aussi utiliser les piments tels quels, mais les piments ça nous permettait de tenir plus, mais pendant 2 minutes seulement. J'en avais pas. Ah, mais j'en ai sur moi, je suis bête. Voilà. J'en ai là des piments. Donc, vous voyez un petit peu l'idée comme ça. Donc, je vais mettre hop, le burger ici pour le moment avec ça, parce que là, ça va être la prépa pour le prochain biome. Mais vous voyez l'intérêt du coup des plantations que je viens de faire. Bon, un petit peu à l'arrache, encore une fois, faudra que je fasse ça un peu plus propre. Après, ça va. C'est juste une question d'espacement, mais. Et vous voyez qu'il y a vraiment son utilité à ces deux ressources que je viens de planter là. Ok, ben moi, ça me plaît bien. Alors, après, on a une grosse faim. J'ai envie de me manger le burger, mais non. Ce serait dommage. Bah de là, je pense qu'on est prêt pour aller se chasser le golem, à la limite. On va aller chasser le golem. Donc juste pour info, hein, vous pouvez creuser avec la pelle, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais vous récupérez de la terre, et je crois que vous récupérez des graines aussi. Je sais plus, je l'avais déjà fait, mais voilà. Et encore une fois, les excréments, bah, sur les animaux, hein, derrière, voilà. Bon, finalement, changement de plan, les amis, étant donné que, en fait, ici, il y a déjà le biome neige. Regardez, il y en a un juste à côté de. Regardez, ma base, elle est là. Il y en a un juste à côté de moi, là. Et il y en a un juste à côté, en dessous. Il y a vraiment des biomes neige tout autour de chez moi. C'est pour ça que je vous disais, vraiment, c'est pas loin du tout. Sauf que j'ai commencé à rentrer dedans et j'ai déjà le truc pour tenir normalement. Et pourtant, j'ai froid. Juste à l'entrée. Et je me dis que ça se trouve à l'intérieur, il va faire encore plus froid. Donc, je pense que je vais faire, tant pis, 2 amulettes de feu intérieur. Et une seule amulette revitalisante. C'est dommage parce que franchement la Revita elle est trop bien. Si seulement j'en avais 2, ce serait incroyable, mais ouais, ça sert à rien. Par contre, regardez, c'est trop bien, on voit ma base de loin avec le vaisseau au-dessus. C'est ridicule. Ah, je vous jure. J'ai tellement pas le motif d'aller le chercher en plus. C'est dommage parce qu'il est juste incroyable en plus mon véhicule actuellement. Il est juste trop bien, mais waouh, j'ai la flemme. Après je pense qu'avec le grappin. J'aurais pas besoin de monter non plus trop, mais en construction quoi. Mais par contre, je sais pas si le grappin, s'il arrive à 0, est-ce qu'il se casse ou pas? Il faut toujours que je fasse attention, sinon je sens vraiment le moment où je vais fail et où je vais vraiment le perdre. Bon, du coup, est-ce que j'ai de quoi faire? Est-ce que j'ai de quoi faire?
L'autre amulette, je me souviens plus ce qu'il fallait. De feu intérieur, fil. Non, j'ai tout ce qu'il faut, hein. Alors, laine, diaphare, rubis. Alors, laine. Noyau. Diaphare, rubis. Allez, j'ai tout ce qu'il faut, let's go. C'est parti pour le craft. S'il faut, je peux même en faire une troisième hein, pour vraiment tenir dans la neige. Mais encore une fois, ça me dérangerait fortement de perdre mon amulette revitalisante. Bon, en tout cas, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis à 15 PV, 21 d'armure. Waouh! Allez, je vous propose donc de terminer la vidéo comme je vous l'avais annoncé, à savoir en allant explo, bien sûr, un petit peu la neige. Alors, je vais pas aller très loin parce que je veux quand même réserver ça pour le prochain épisode. Forcément, on en a déjà assez fait là, je pense. Je suis assez content. Mais j'ai quand même envie d'aller voir déjà si je peux tenir comme ça, au moins pour la prochaine fois, s'il faut préparer autre chose. Ah, je peux prépa, quoi. Du coup, je vais lâcher les explos, ça me servira à rien. Ça aurait pu être marrant de l'utiliser, mais peut-être on l'utilisera plus tard. Et en plus, ça va être bien parce que là, il va faire nuit. Enfin, il fait nuit, pardon, mais... Et bon, là, c'était pas top ce que j'ai fait, mais ça ira. Ouais, ça va être bien parce qu'avec la nuit, bah, logiquement, il fait encore plus froid. Donc, on va voir si vraiment je peux tenir ou pas avec ce que j'ai actuellement. Ah, il fait froid, là. Hein. Après, encore une fois, c'est la nuit. C'est la nuit, on peut peut-être éviter d'y aller de nuit, hein, sinon. Mais sinon, vraiment, je fais trois amulettes pour le froid, hein, tant pis. Hein. Parce que c'est vrai que c'est chiant si je peux pas rester la nuit quand même dans le biome. Bon, au moins, je le sais. Je vais quand même tester de voir de jour ce que ça donne. D'autant que j'ai ma régène. Est-ce que je peux pas me régène plus vite que je ne perde la vie aussi, regardez. C'est ça aussi, en fait, avec la régène qui est bien. J'avoue, c'est quand même bien. Vous voyez, je perds pas de la vie non plus si rapidement que ça, quoi. Oh là là, ce que je leur mets. Bon, en même temps, c'est pas les mobs du biome, hein. C'est pas ceux du biome. Non, mais clairement, je tiens avec la revitalisante, hein. Presque, ça se demandait, hein, si avec deux revitalisantes, j'aurais pas pu tenir aussi si j'étais en... Ouais, non, ça va être chaud parce que là, j'aurais été en super froid, en fait. Et par contre, si j'ai la torche avec, qui va quand même aider. Non, pas trop. Parce qu'il y a deux stades, hein, à chaque fois pour le froid et le chaud. Si vous êtes en froid, bon... Vous avez froid, ok, c'est chiant, mais si vous êtes en super froid, je peux vous assurer, c'est une autre histoire. Hein. C'est vraiment, vous avez aucune chance de vous en sortir. Le problème, c'est que ça me ralentit, mais on va voir. On va voir quand il se fera jour. J'ai envie de voir déjà, au niveau des ressources ici, qu'est-ce qu'on a? Oh. Ok, donc ça, déjà, je peux pas le casser, donc comme d'hab, il va très certainement me falloir trouver une autre ressource avant de pouvoir faire la hache de ce tir-là. Après c'est pareil, hein. Oh oui, yep. C'est vrai que ça c'est des loups du biome. Ils vont faire mal à mon avis, hein. Attention. Après mon stuff upgrade donc à voir mais... Hop. Alors, on est donc aux griffes arctiques bien évidemment, les violettes. Voilà mon épée, j'ai tapé deux mobs là, ça y est, elle a pris si cher. Ouais. Les ressources violettes, hein, du coup, forcément, ça on savait. Ça on savait. J'ai pas gardé de piment avec moi, hein, bah ouais. Alors voir les ressources à récupérer. Mais ouais, non, par contre, les golems aussi. Si j'avais voulu faire l'autre amulette, le problème, c'est que il fallait encore tuer deux golems. Et c'est pas tant les tuer qui me fait peur, c'est plus les trouver. Bon, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est vraiment tout le temps les mêmes mobs sur les trois biomes qu'on a vus. Ils ont juste des couleurs un peu différentes. Et je sais pas s'il y a autre chose après à faire, après le biome neige. Si des gens savent dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait. Oh, il m'est cher quand même. Oh, ça m'est cher, ouais. Ah, ça y est, j'ai plus froid là d'ailleurs, vous avez vu? Donc j'avoue que la nuit elle est pas très longue dans le jeu, donc je peux largement la tenir. Hein. Ok. Et en plus, on récupère 3 soies par 3 soies ici, donc c'est quand même plus rapide. J'ai de la régène, donc j'ai même pas besoin de me heal. Au peu que je fasse de la nourriture, bah style le pain qu'on a vu la dernière fois. J'ai pas vu, je peux pas le crafter encore, je crois, le pain. J'ai pas vérifié dans les boissons, par contre, ce que je pouvais crafter actuellement. Ouais, j'ai pas vérifié ça.
Mais le pain, j'avoue que c'est vachement bien parce que ça donne 10 de nourriture et surtout, ça réduit la vitesse à laquelle on a faim, quoi. Bon, ils vont y voir sans la torche, est-ce que j'ai froid? Non. Donc là, en vrai, je vais rester avec ce stuff-là, je pense. Alors vous, vous donnez quoi? Je peux vous caresser? Je peux pas vous caresser. Mais pas grand-chose, hein, comme ça. Hein. Ok. Donc là, objectif, finalement, ça va être de trouver des nouvelles ressources. Est-ce que... Je pense que ça, c'est du granit, hein, non? Ah, c'est du granit, hein. C'est pas la folie. Donc, est-ce que je dois directement trouver une grotte dans ce biome-là pour pouvoir avancer? Peut-être. Ah, la régène en passif, elle est incroyable. Bon, juste la nourriture, c'est sûr, je me trimballe toujours la nourriture de base, là. Ça, c'est plus 2, plus 2. Ouais, je pourrais même manger lui, ça revient au même, ici. Mais ouais, 2 nourritures, c'est pas fou, quoi. Après, j'ai des steaks, hein, mais... Je peux crafter d'autres trucs, c'est vrai que je le fais pas assez. Bon. Est-ce que je cherche direct une grotte là ou je fais quoi? Parce que la grotte, le problème. Ah, ça m'intéresse par contre. Déjà là-bas, cette zone m'intéresse. Et toi là, par contre. J'ai eu peur que mon bouclier ne suffise pas. Voilà, ils font quand même plutôt mal. Allez hop, petite carapace gelée, bien évidemment. La épique, on connaît. Oh là, la galérer sur des araignées, par contre, c'est triste. Après, il faut se dire que c'est un peu l'équivalent à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau biome. Hein. C'est-à-dire, quand je suis arrivé dans le désert avec le stuff que j'avais avant, bah j'étais à peu près de même puissance que dans ce biome-là en arrivant avec mon stuff actuel, quoi. Je le vois comme ça. Ok, bah je vais aller. Il n'y avait pas un truc là-haut? En fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est de trouver des stockages. Un peu triste, hein, ce que ça me propose. Pas la folie, hein. Pas la folie, pas la folie, hein. Aller voir là-bas et après ouais, la grotte je la tiendrai pas parce que j'ai pas pris les burgers, j'ai pas pris de piment non plus. Ah, eux ils vont mettre cher en plus, c'est eux qui m'avaient arraché, je me souviens. Je voudrais juste voir s'il y a pas un petit coffre. En vrai, eux s'ils m'arrachent, je suis dans le mal après, hein. Faut pas que je meure. Quoi? Attends, mais quoi? Mon pote il lui met du 1, il est en train de l'arracher. Oh, il donne des poudres expo aussi, trop bien. Dommage. Non mais attends, mais mon pote, vas-y, hein, arrache-les tous. Oh, ils sont tellement nombreux. Attends, mais quoi, je leur mets si cher que ça? Ça se trouve, eux aussi, ils mettent cher, mais... Mais en fait, juste, ils sont pas tankés. Ah, par contre, il y en a deux derrière qui ont spawn, attention. Oh, le pote qui est venu se planquer là. Petit lag. Attends, j'avais pas vu que j'étais déjà full comme ça. Franchement, ça, je m'en fous un peu. Bah, ça, totalement aussi. C'était une. J'ai eu un doute sur la qualité quand je l'ai jeté. Ok, il faut que je tue lui avant. Et let's go. Alors, ici, on a quand même du fromage. Oh. Oh, mais ça va. Non, mais vraiment, ça va. Hein. Ok, ok. Non, mais ça va, vraiment. J'ai vraiment step up, en fait, en stuff depuis la dernière fois que je les ai croisés. La dynamite, bien sûr, je veux... Ah, bah tiens, les pains. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. L'épée, on s'en fout. Ça m'intéresse. Bah tiens, les piments, à la limite, si je veux aller dans une grotte... Ça, c'est pas un signe. On comprend pas.
Ok. Il n'y a pas d'autre... d'autre coffre. Pas l'impression. Ok, bon bah, objectif, trouver une grotte. Attention parce que le biome n'a pas l'air d'être immense non plus, celui-là. Où est-ce que je trouve une grotte? On est en montagne, on va essayer de prendre un peu d'altitude au pire. Bon, au final, mon biome était pas fou, donc j'ai décidé de changer. Et je suis allé sur celui qui est de l'autre côté, qui m'a l'air quand même bien plus impressionnant. Déjà, bon, voilà, j'ai l'impression qu'il s'arrête jamais, ce biome-là. Et surtout, on a vraiment une vraie montagne, donc je pense que ce sera plus intéressant. Alors toi, tu m'as fait louper mon décollage. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Ok, alors, bah écoutez, je pense que le grappin va être fort utile pour escalader là-bas. J'avoue, plus besoin de construire des escaliers de partout, là. Oh, ça va être trop bien. Par contre, attendez, je sais pas si on peut... on peut aller dans l'eau, dans le jeu, déjà. J'ai un doute, là. Ouais, si c'est bon. Après, c'est un peu lent, donc... je vais me faire le tour. Bon, deux nouvelles. On va commencer par la bonne, regardez. Est-ce que je peux le farmer? Ok, bon. Mauvaise nouvelle, je peux pas le farmer. Mais bonne nouvelle, j'ai trouvé un nouveau matériau. Ok, ça c'est cool. Ensuite. Ok. Faudra quand même que je rentre à la base. Enfin, j'y suis rentré, mais que je vérifie si je peux pas quand même crafter des nouveaux trucs déjà avec les ressources des mobs que j'ai éliminés. La mauvaise nouvelle, j'ai perdu mon grappin. Ouais, ouais, ça c'est chiant. Oh non, je suis trop deg. Je suis... bon, après, je crois que je peux en refaire, mais je suis quand même trop deg. Je vérifie qu'il soit pas vers là. Non, il n'y est pas. En fait, bah, j'ai fait la strat hein, du glitch, et bah, je me suis fait karma, hein, très clairement. Quand j'ai cassé le coffre, je l'ai vu passer un peu à travers le... la texture. Donc, il est passé sous map, je pense. Ouais, il est sous map, Donc, c'est la loose. On va devoir remonter à l'ancienne. J'aimerais bien juste trouver une grotte pour voir s'il y a une ressource que je peux farmer. Ensuite, retour à la base, je regarde si... je regarde vite fait si je peux pas crafter quelque chose en fait avec les ressources des créatures que j'ai tuées déjà. Et puis ensuite, voilà quoi. Il est pas là. Hein. Ah oui, c'est vrai, le serveur. Bientôt, bientôt. Donc ouais, on fera ça et on s'arrêtera là-dessus. Je pense que je vais recrafter un planeur. Hein. Un grappin, tant pis. Donc j'ai assez... je crois qu'il était pas non plus si cher que ça. C'était assez cher pour 10 utilisations, ça c'est clair. C'est n'importe quoi que ça coûte si cher pour 10 utilisations. Mais avec le glitch, franchement, ça va quoi. Ah oui, là, je suis juste remonté là où j'étais en fait. Ouais, il part. Hein. C'est même triste ça. Hein. Bon. Si je continue de monter là, on va voir. Je vais pas pouvoir monter indéfiniment, je vais pas avoir des millions de bois non plus. C'était pas prévu comme ça. Ok, bon en tout cas il y a une ressource déjà, ça c'est cool. Je sais pas trop à quoi ressemblent les grottes en fait dans ce biome. Après on a un gros pic là-bas. Ça aurait été bien que je vienne avec mon véhicule à la limite pour repérer les grottes peut-être. Je dis ça, mais je sais pas si ça m'aiderait vraiment à les repérer. Faut au moins que je vois à quoi ça ressemble une première fois pour que ça aide. Ah, je regarde encore. J'ai encore l'espoir que le grappin soit revenu dans mon stuff et que je l'ai juste pas bien vu. Ça peut arriver aussi. Je sais pas si on peut monter tout là-haut. Il y a des trucs. Ok. Ok, il met pas mal cher lui. Là je me dis vu que ce biome là est vraiment, on va dire plus proche. Ok ouais il m'a donné un... okay. Vu que ce biome là est quand même plus proche bah, d'un vrai biome neige on va dire que celui que j'avais avant. Peut-être que si je trouve des coffres... quoi ça? Peut-être que si je trouve des coffres ici ils seront plus intéressants que ce que j'ai trouvé jusque là. Ça me permet de me healer plus vite ça. C'est quoi ça? Ah c'est juste qu'il y avait un loot dedans, ok. Salut!
Ouais. Bah écoutez, je pense qu'il faudrait trouver une grotte, hein, sincèrement, pour débloquer les nouveaux stuff. Mais comme je vous l'ai dit, mon but c'était juste de rentrer un peu dans le biome, de voir ce que ça donnait. Donc je pense que je vais rentrer là, parce que l'épisode, je pense qu'il va commencer à être un peu long. Je m'en rends pas compte, mais on a quand même fait pas mal de choses. J'ai bien avancé. Je vais rentrer tranquillement avant de mourir bêtement. Et ouais. Ça me saoule pour le grappin. Bon, je suis trop deg, j'avais trouvé un golem et du coup, bon, même si je voulais pas forcément sa ressource dans l'immédiat, je me suis dit que ça aurait pu être sympa quand même de se le tenter vu que bah, j'avais quelques dynamites encore sur moi. Et puis même, je pense que la dernière fois, on l'avait tué avec nos outils de base, enfin nos armes de base. Donc je pense que même sans dynamite, juste à l'arba et à l'épée actuelle, on doit vraiment l'ouvrir. Hein. Je pense qu'il nous fait pas beaucoup de dégâts en plus. En tout cas, le golem de ce biome-là, hein, mais bon. Et du coup, je voulais le faire, mais je sais pas, je l'ai vu, j'ai fait un truc, je suis revenu, je l'ai perdu. Je sais pas où il est. Bref, j'ai de quoi refaire le petit grappin, donc ça, ça fait plaisir, mais il faut pas que je le perde trop souvent, parce que, bon, mine de rien, les ressources, bah, surtout le cuivre, hein, c'est pas donné, quoi, hein, donc, quand même chiant. Les cordes, bon, c'est un peu chiant à farmer, parce que c'est les ressources basiques, mais bon. C'est des ressources de base, donc en vrai, c'est pas un souci du tout. Et la poudre explose, a priori j'en ai aussi dans la neige, donc ça devrait quand même aller au pire des cas. Ok, donc ça c'est fait. Alors pareil, il faudrait peut-être que j'améliore ce village. Parce que je pourrais le passer niveau 7 sans trop de problèmes. Le truc c'est que j'ai même plus beaucoup de ces ressources-là, donc il faudra que je me refasse une grotte dans le biome de base. Hein, vraiment, même pas en fait, faut juste que je transforme un peu de bois. Attendez. On va diviser comme ça, on va déjà voir ce que ça coûte. Je vais déjà transformer ça, mais au niveau de la pierre, je sais pas si j'aurai ce qu'il faut. Que franchement c'est pas des grosses ressources. Ouais, les blocs de marbre, allez, let's go. C'est des blocs de marbre qu'il fallait ou des... Ouais, bah ouais. Non, mais franchement, je peux le faire. Ok. Et en attendant, je voulais voir, est-ce que j'ai pas débloqué donc des nouveaux outils? Non. La réponse est non. Donc je pense réellement qu'il faut que je trouve une grotte dans le biome neige pour pouvoir avancer. Tout simplement. Le truc habituel. Voilà. Donc prochain épisode... Bah, objectif grotte, et très clairement le grappin, faut pas que je fasse la strat quand je suis en hauteur. En tout cas, faut que je sois vraiment sur la neige bien à plat et pas, pas sur la glace, quoi. Ok, je suis à 17. J'attends juste d'en avoir 3. J'améliore là, juste pour voir si ce que ça coûte, en fait, la prochaine amélioration. Et là, le niveau 7, ça va me donner quoi? Ils peuvent offrir des schémas inédits, ok... Ah oui, non, mais c'est vraiment un parrain là, ok. Après, ce sera un villageois de plus. Après, les villageois peuvent aller récupérer les ressources. Ah oui, les autres biomes. Et après, c'est encore un villageois de plus. Ouais, ok. Bon, après, ça peut être cool quand même de se dire qu'on arrive jusqu'au bout, donc. Surtout que c'est pas ce que ça coûte, mais c'est juste que. J'avoue que pour le prix, je suis en mode. Parce que c'est vraiment utile, quoi. Ok, bloc de marbre, ambre brut. Donc, l'ambre, c'est pareil, j'en ai sur moi. J'ai l'impression que ça va pas être si cher que ça de passer niveau 10. Là, les blocs de marbre, hein, bah, je peux les faire. Hein. Bloc de marbre, c'est parti. Hop, je récupère ça. Bloc de marbre. Transforme tout. Ça, c'est pas les ressources les plus chiantes à les farmer. Hein. Faut juste trouver une grotte ici et c'est parti. Hein. Ouais, ouais, durée de vie du serveur, ok. Bon, attendez, j'ai débloqué des trucs. Ça, ok. Ah, le truc du serveur, ça m'a caché le point de vue. Il me semblait qu'il y avait un truc cool, non? Pas. Peut-être dans les décos en fait. Ah non, c'est ça que j'ai vu, ouais. C'est un porte-serviette. Ok, je... Ouais, je pensais pas que c'était ça en fait. Ok, ok, bon, sans plus. Sans plus, sans plus alors. Ok, et donc là, bon, on a dit 30, c'était. C'est 30. Bon, on va les laisser faire, et effectivement. Allez, avant les 6 minutes, je pourrais améliorer ça encore une fois. Tant que c'est pas trop cher, je veux juste voir combien ça va coûter après. L'ombre. Tac. Ah, si jamais ici, ça a déjà poussé, donc ça pousse quand même assez vite. Hein. Allez, hop, on va se faire une petite session récolte. Comme ça, prochain épisode, je pourrais me faire pas mal de burgers. Et au pire des cas, hein, si vraiment je suis flemmard, j'ai quelques stacks de piments, ça fera tout pareil. Hein. Ça fera le même taf. Mince, il faut d'abord que je transforme, c'est vrai. Hop, Ah oui, ça m'en donne que deux, par contre, ok. Ça en donne que deux, ouais. Ouais, je peux me faire un petit stock d'avance. Faudrait que je mette les graines ici avec un petit coffre ou quoi.
que là, pour l'instant, c'est là-bas, j'ai un coffre exprès pour, mais... Après, ce serait intéressant que je puisse avoir quand même quelques stacks d'avance aussi de graines, comme ça j'en mets genre 10 dans chaque truc et ça continue de pousser même après que j'ai récupéré les plantations, sans que j'ai besoin de les remettre à chaque fois. Allez, on va avoir le dernier bloc et on va s'arrêter là-dessus hein, du coup. De toute manière, le serveur va redémarrer dans une minute là actuellement, donc je suis vraiment très short niveau timing. Hop. Amélioration, niveau 8. Planche à découper atypique, très bien. On a de la déco comme ça. Après, c'est du bois souple, de l'obsidienne et de l'ambre taillée. Et j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'aurai pas le temps peut-être. Bois souple. Opsi, c'était opsi direct ou opsi taillé, j'ai pas vu. Je crois que c'est opsi tout court. Hein. Hop là, on est déjà niveau 9. Ou c'est pour passer niveau 9 On est niveau 9. Donc il manque plus qu'un niveau. Tige de bois souple, bloc d'opsi. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on aurait pas ce qu'il faut déjà? Oh là là, les amis. Oh, ça va redémarrer juste avant la fin, vous allez voir. Ah, améliorer la note de votre village en ajoutant des éléments à ce dernier. Ah mince! Il manque juste à améliorer la note. J'améliore la note et je suis niveau max. Hein. Autant dire que... Ok, trop bien. Bon, bah, on va s'arrêter là-dessus pour l'épisode. Et puis, bah, vous savez quoi? Peut-être que prochain épisode, j'essaierai d'améliorer la note et de monter ça. Mais déjà, très content. Franchement, il y a eu un bon up pour... J'ai cru que ça avait crash. Pour la game. Pour cette session de jeu. Donc c'est très cool. C'est très très cool. Je voulais juste ranger ça avant de partir. Bon, je fais juste un petit ajout à la vidéo étant donné que lorsque j'ai coupé la session de jeu un petit peu plus tard à tête reposée, je me suis rendu compte que j'avais fait le boulet sur un truc que je me suis souvenu. Donc je préfère me corriger de suite et surtout aller voir parce que je suis quand même assez curieux. Bon, en même temps, j'en ai profité en relançant. J'ai changé de skin un petit peu. C'est vrai que j'en ai pas mal qui sont assez sympas. J'avais mis un genre de survivant pour les derniers épisodes, mais voilà, j'ai mis un petit épouvantail. Je le trouve marrant celui-là. Il y en a plein en fait des skins qui sont bah, trop sympas en tout petit comme ça en Lego en fait. Donc ouais, je vais peut-être changer de temps en temps. Et ouais, j'en ai profité aussi pour récupérer puisque tous les persos avaient fini de bosser. Et mine de rien, ils m'ont ramené pas mal de ressources. Hein. Bref, en gros, là où j'ai fait le boulet, c'est qu'à la fin, j'étais en mode tiens, y a pas les nouveaux outils ici. Mais c'est sûr qu'il risque pas d'avoir les nouveaux outils, j'ai oublié d'améliorer. J'avais totalement zappé. Ah oui, c'est les cailles qui manquent. J'avais totalement zappé qu'il fallait bah, améliorer l'établi tout simplement quoi. Comme la plupart des crafts se débloquent dès qu'on a les ressources, bah, j'avais un peu oublié la mécanique de base du jeu. Je joue à trop de jeux en même temps. C'est compliqué. Par contre, il s'est amélioré ou pas? Ok, oh! Et voilà, et forcément là j'ai des nouveaux outils, je vais au moins pouvoir voir ce que ça coûte. Par contre l'établi il est waouh. Et c'est l'établi max. Ok, je peux plus l'améliorer. Donc vraiment, je pense que la neige, c'est dernier biome. Hein. Après, je crois qu'on peut enchanter genre les items et tout. Donc c'est pas fini pour autant. Par contre, lingot de cuivre, j'ai. Tige de bois noué, bon bah j'ai en fait. Ok, je pouvais déjà faire la hache. Et ensuite, pour faire la pioche, il me faut des blocs d'opsy. Donc pareil, j'ai. Il me faut des piges... des piges. Des tiges de pin nordique. Et ça, ça va être sur bah, les pins, justement, que j'ai vu hein, dans le biome neige. Mais ça, avec la hache que je peux faire, bah, je pourrais les farmer, donc je pourrais faire la pioche. Donc en fait, ça, vraiment, j'en ai pour 2 secondes de faire les 2 nouveaux outils. Et du coup, j'aurais pu farmer, vous savez, le nouveau minerai que j'ai vu... C'est quoi, ça, par contre? J'aurais pu farmer... Ah, bah c'est peut-être ça que j'ai vu, malachite. Ah, en vrai, ça pourrait. Bah, j'aurais peut-être pu farmer la malachite, du coup, avec la pioche en même temps. Et par contre, après, ouais, il restera plus qu'à trouver les grottes pour les autres ressources qui me manquent. Et les autres ressources, on n'a pas encore les noms pour le moment, ouais. Ah, mais ça va, quoi. Et donc, elles font quoi, juste ces amulettes? Augmente la résistance aux températures élevées. Attends, mais ça, c'est... Ouais. Ah oui, c'est juste qu'elle est de plus haut tiers, mais bon, c'est un peu tard, quoi. Et robustesse? Ouais... D'avoir des cœurs supplémentaires lorsqu'ils sont pleins, mais non, non, sans plus. Non, franchement, sans plus. Mais bon, par contre, les outils, ouais, forcément. Ok, est-ce que je fais la hache quand même pour terminer? Lingot de cuivre. Attendez, parce que le bois, c'était le noueux? Je comprends pas que j'utilise encore du noueux pour faire des trucs, mais ok. Oh là là, la hache. Oh là là. Oh, ça va faire plaisir. Et du coup, après, on va débloquer sûrement des nouvelles choses aussi. Hein. Avec ces trucs là. Le premier outil
On est en T combien là? C'est quoi? Gris, vert, bleu, violet, T4, c'est ça? Ah, par contre, c'est le premier item qui change vraiment d'apparence. Ouais, là, on a vraiment l'impression que c'est ça, on arrive sur le endgame là. Ah, c'est plaisant. Je pense que un bois normal, je dois le one-shot, hein, c'est pas possible. Et voilà. Oh, attendez, parce que même celui-là a l'outil. Ah, le tout petit, je le one shot, lui je le two shot, ok. Oh, forcément, hein, c'est fait pour être utilisé dans le biome de neige, donc bon. Forcément, forcément. Bon, bah ok. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire en revenant, de toute manière, mais du coup, très content, parce que je pensais que j'allais peut-être galérer un peu pour faire les outils, mais finalement, pas du tout. C'est plutôt simple. Et là, j'ai juste à aller couper un peu de bois et je peux faire la pioche, donc vraiment, vraiment, c'est top. Ah, et en même temps, je viens de voir que ça m'a permis d'améliorer la note du village, donc je peux en fait passer mon village au niveau max en même temps, donc allons-y hein. Voilà, village passé au niveau 10. Oh, c'est le lama avec un petit perchoir. C'est marrant. Bon bah les amis, mon village est officiellement niveau max. Je commence à avoir les outils niveau max. Ça commence à sentir bon tout ça. Prochain épisode, à mon avis, il restera peut-être plus grand chose à débloquer, mais on verra ça. Je vous dis, il y a encore des petits trucs quand même à voir, donc et tout le biome neige à faire, donc on va voir, on va voir. Mais est-ce que ça m'a débloqué des trucs cool vite fait? Attendez, celle-là, elle a l'air un peu badass quand même. Ça me rappelle tellement les maisons, bah forcément, hein, c'est Pleasant Park, hein, donc ça rappelle les maisons sur le BR. C'est marrant. Ok, là on a un nouveau lit. Alors j'aimais beaucoup celui que j'ai déjà actuellement. De toute façon, c'est les mêmes prix. Ouais, je préfère celui que j'ai moi. Oh, mais d'ailleurs, je suis en train de capter. J'ai pas fait de respawn là. Pas fait de respawn pour moi. Et ça coûtait quoi les nouveaux coffres déjà? Oui, nordique et. Ah bah tiens, le fer et tout, ouais. Ok. Allez, c'est parfait. On peut s'arrêter là-dessus. Merci à tous les amis d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.